Zami, frè Maxem, chè abonè, mwen salye nou nan nou gran mèt la. Bienveni sou chanel la nan mouman sa, kote nou pral etudye yon suje ki vreman important, ki se la loi nan la Bib. Gen pil diskusyon antre plijè relijyon, gen sa ki di la loi aboli, gen sa ki di la loi pa aboli. Jodi a nou pral fè lumye sou kèsyon sa. Pranti chèz ba ou e prepare ou nou pral etudye kèsyon la loi sa nan Bib la. Ki sa la Bib di nan kèsyon sa? Eske nou kapab gen dout sou sa? An prepare nou pou nou kapab tan de suje sa. À l'époque de l'Ancien Testament, chers frères et sœurs, te gagnait quatre types de lois. Premier type de loi que te gagnait, nous trouvons dans Exode 21 jusqu'à Exode 22, qui c'est la loi civile. Loi civile là, il était protégé peuple là, et il était géré nation Israël là, pour éviter conflit entre eux. Et loi, ça c'est le conflit entre nations. Deuxièmement, nous trouvons deuxième type de loi, qui c'est loi cérémonielle. Nous trouvons dans Lévitique chapitre 1er jusqu'à Lévitique chapitre 4, qui c'est loi cérémonie, qui te gagne la donne sacrifice et offrande. Sacrifice et offrande, ça y est, il était annoncé la venue de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ à travers l'agneau pascal, l'agneau que yo t'a offri, bête que yo t'a offri en sacrifice, yo te gen comme objectif annoncer la mort de Jésus-Christ. Troisièmement, dans Lévitique chapitre 11, qui baille peuple enseignement sur ça que yo doit manger, article de viande, qui bête que yo doit manger, qui ça qui propre, qui bête qui pas propre, qui bête qui propre. Nous trouvons ça dans Lévitique chapitre 11 qui c'est loi de la santé. Le peuple a dû vivre en santé. Et quatrièmement, dans Exode chapitre 20 verset 3 à 17 qui c'est la loi morale qui traite de 10 commandements. Pour qui ça lit là, c'était pour faire le peuple content et pour le peuple te vivre bien. Entre être humain yo pour yon te respecter l'autre. Dix commandements ça yo, yo te écrit avec propre douette bon Dieu. Bon Dieu pas de bail Moïse autorisation pour te écrire loi ça. Il te écrit avec propre douette li et il te remet Moïse sous deux roches, deux tables de pierre. L'autre loi yo, l'autre loi de loi, c'est loi civile, loi cérémonielle et loi de la santé. Bon Dieu dicte Moïse yo, et Moïse écrit yo nan yon livre. Eh bien, chers amis, question qui pose jodi a, loi cérémonielle la, li te gen relation ensemble avec sanctuaire. Comment sanctuaire te yon? Nan Hébreux chapitre 9, verset 1 à 15, li di nou ki jan sanctuaire te yon. Sanctuaire te composé de deux parties. Lieu saint et lieu très saint. La cour, c'était un espace qui était réservé au peuple. Le peuple n'a pas de autorisation pour te rentrer dans le sanctuaire. C'est seulement arrivé dans la cour. Il y a deux rituels dans le sanctuaire. Il y a un rituel chaque jour et un rituel chaque année. Tout rituel, ça, un rituel chaque jour, c'est que les pécheurs. Péché, yon moun péché nan nation, la bien pou pote yon ti anyo sans défaut, et la menen nan la foi, yon prêt a recevoir nan men li, la transférer péché li yo, confesser péché li yo sous tête animal là, la ti animal là et sa prêt la pou pran san ki a coulé pou la faire aspersion sans sa nan lieu saint, nan dan sanctuaire la bonne ensemble avec lui. La vidéo partie dans la base hôtel des sacrifices là qui dehors dans la cour et ensuite yo pral brûler animal ça agneau ça yo pral brûler dans hôtel des sacrifices là.
Ça te qu'on fait chaque jour parce que chaque jour mon y a péché, chaque jour y a porté bête sacrificielle dans la croix. Ça représente la mort de Jésus-Christ qui mourut pour nous et qui transférait péché nous de la terre vers le ciel. Eh bien, chers amis, l'hypothèse fado péché nous, li mourut pour nous et li monte dans le ciel. Te gen yon rituel annuel ki te kon fèt chak anè. Rituel annuel la se purifikasyon di sanctyèr. Purifikasyon sanctyèr ki jè ou te kon fèt. Kom te gen san bèt ki ap antre an dan sanctyèr nan li sen chak jou. Peche sa yo, symbolikman, yo transfere de peche la a sanctyèr la. Yo souye sanctyèr. Chaque année pour être capable de purifier sanctuaire ça qui souillé à cause des péchés peuple. Rituel annuel ça était qu'on fait dans 7e mois et dans 10e jour dans 7e mois. Rituel annuel là ça le représenter dans la montre là. Rituel annuel là le représenter purification sanctuaire que livre Daniel là qui annoncé dans Daniel chapitre 12. À partir du verset 4. Côté lui, parlait de 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Elle parlait de purification sanctuaire après 2300 soirs et matin. C'est une prophétie qui est très longue, qui vient jusqu'à 1844. Côté sanctuaire céleste, d'après le purifié, d'après la prophétie. Eh bien, chers amis, en gros, nous parlons de sanctuaire la vie. Mais c'est un sujet qui est vraiment, vraiment long. Nous allons arrêter dans le sanctuaire, nous allons parler de loi dans la Bible. Avec la mort Christ, l'agneau qui était dans la loi cérémonielle, qui était utilisé pour purifier le sanctuaire chaque année, ou l'agneau pascal, à chaque fois, date sa arrivée, dans le moment pascal, il a crucifié l'agneau. Sans défaut, qui représentait la mort du Christ dans la loi cérémonielle. Là. C'est la loi cérémonielle là qui régit le rituel, ça qui régit et Jean de Bagage, ça qui t'a annoncé la mort de Jésus-Christ. Daniel 9, verset 27 et Ephésiens 2, verset 15, Colossiens 2, verset 14. L'écoutine, est-ce que la loi ça continue en vigueur? Non, la loi ça l'accomplit. Parce que Jésus-Christ parlait de accomplissement, il pas parlait de abolition. Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, verset 17, il n'est pas venu pour abolir la loi prophétique, mais il est venu pour accomplir. Chaque jour, là, vous répétez par vous, la prophétie a pas accompli. Mot accompli à qui ça veut dire? Mot accompli à veut dire, il y a un bagage qui était annoncé. Si tu es pour arriver et qui vivait, ça qui est annoncé à l'arrivée. Ça veut dire prophétie a été annoncée en bagage et ça qui est annoncé à l'arrivée, laisse annoncer prophétie. Accompli. Jésus-Christ utilise le mot accompli dans le même sens là. La loi qui a annoncé la venue de Jésus-Christ et la mort de Jésus-Christ, l'arrivée, il est accompli. Laisse ça automatiquement l'accompli. Loi ça, il n'est pas là encore. Ça va aller abolition. Eh bien, la mort de Jésus-Christ mettait fin, il accomplit la promesse qui était faite dans la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, là, pour nous dire encore, qui était en rapport ensemble avec sacrifice animal, sacrifice animaux. Et il y a des centaines d'animaux qui étaient tués par jour à cause des péchés peuple. Eh bien, chers amis, dans Ephésiens 2, verset 15, que l'apôtre Paul lui-même lui montre que rituel ça, lui remplacé par un sacrifice plus excellent. Dans Colossiens 2, verset 14, l'apôtre Paul montre nous que sacrifice ça, il parle encore loi ça, il parle encore l'aide, il nous passe sous pédagogue ça encore. Pédagogue, il a parlé, loi que l'apôtre Paul a parlé, il a parlé de loi cérémonielle là, qui était du rapport avec sacrifice animal. Daniel 7, verset 25, t'es annoncé ça tout. Au fait, Daniel t'es annoncé que la mort de Jésus-Christ, qui ça t'a fait, lui dit,
li a fait alliance avec plusieurs pour une semaine et dira moitié semaine là un moins sera retranché et il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il dit que au moins ça l'a retranché, ça veut dire Jésus-Christ a mouru dans moitié semaine là, disons 3 ans et demi. Là il parle de moitié semaine là, une semaine prophétique c'est 7 années li gen la dan, ça veut dire un jour pour chaque année, une semaine bien 7 jours bien là. 7 années ça dans moitié semaine là, qui donc 3 ans et demi, yon moins a retranché, ça veut dire Jésus-Christ a mouru après 3 ans et demi ministère. Pour ça nous dit 3 ans et demi. 3 ans et demi à partir de l'heure de baptiser. Là Jésus-Christ baptisé, c'est là ça lui commencer ministère lui. Après 3 ans et demi, il y a prêché, il mourit et il monte dans le ciel, il fait cesser sacrifice à offrande. La Bible claire ensemble avec nous, le dit nous qui ça qui cesser dans la loi. Loi qui cesser, c'est loi qui gain sacrifice à offrande. Loi qui gain sacrifice à offrande, c'est loi cérémonielle. La Bible enseigne nous clairement que loi cérémonielle là, li prend fin à la croix. Le Jésus-Christ mourut, il dit tout est accompli, il utilise même mot accompli encore pour dire nous que ça qui est annoncé est accompli. Loi cérémonielle là, qui est annoncé la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ mourut, il dit tout est accompli. C'est pas ancien testament, chers amis, qui abolit, il dit tout est accompli. Mais c'est ça qui est annoncé, la molia qui a accompli. Et Jésus-Christ a dit ça avant dans Matthieu 5 et verset 17 là. Il n'est pas fini pour abolir, mais il est fini pour accomplir. Mais ça, nous ne pouvons pas parler de abolir, nous devons parler de accomplissement de sa promesse. Eh bien, qui attitude Jésus-Christ face à loi morale? À aucun moment donné dans la vie de Jésus-Christ, il n'y a pas de gens qui montent le nom de Jésus-Christ pour aller dans le temple, il y a un sacrifice. Parce que, avec la présence sur la terre, sacrifice là, on n'a pas de place ni encore. Si Jésus-Christ voulait que nous fassions un sacrifice là, il t'a fait. Mais qui ça Jésus-Christ voulait que nous fassions? Dans Jean 15, verset 10, Jésus-Christ dit, si nous, dans moi-même, si nous gardons commandement moi yo, nous abna moi même Jean moi garder commandement papa et moi même à papa moi fait un seul. Ça veut dire si nous gardons commandement yo n'a fait un seul ensemble avec Jésus-Christ, même Jean Jésus-Christ garder commandement. Ça veut dire Jésus-Christ montre nous que il garder commandement yo tout. Si Jésus-Christ défend garder commandement, ça veut dire loi morale là, nous même tout nous devons faire même Jean. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, Jésus-Christ dit nous ça tout. Si nous voulons suivre, nous devons marcher même Jean, lui, c'est qu'on marche, chers amis. Maintenant, Jacques 2, verset 10 à 12, lui montre nous que si nous observons toute loi, la parole de loi morale là, si nous observons toute loi et nous péchons contre celle, nous coupables, nous venons transgresser la loi. Alors, chers amis, les commandements sont toujours en vigueur. La mort de Jésus-Christ va gagner à ouer avec l'abolition du commandement. Du commandement, c'est les lois morales. Entre temps, loi qui prend fin avec la mort de Jésus-Christ, c'est la loi cérémonielle qui vient rapport avec cérémonie, sacrifice, qui t'a annoncé sacrifice Jésus-Christ, et Jésus-Christ mourut, il fait sacrifice là va être placé encore. Pas qu'il est pasteur, prédicateur, dans le monde, ça a troublé nous pour dire nous la loi abolie. Si toutefois la loi morale a été abolie à la croix, chers amis, nous sommes capables de deux femmes, nous sommes capables de prendre un sac pour nous, et nous sommes capables de respecter les parents, et nous sommes capables de faire mentir sur le monde, nous sommes capables de prendre madame Zamien, Jean Oulé, prendre madame Frère, prendre madame Pasteur, même Pasteur, pas capable de répliquer, pas capable de dire rien, quand elle a besoin de parole, il faut dire bonjour, pas d'accord sur faire. Mais c'est toutefois loi morale là, qui parlait du bien-être société. Et Jésus-Christ dit ça dans Marc 2, verset 27. C'est pour bien-être nous que lui fait, et lui fait la loi morale là. Et c'est pour ça que Dieu passe par Moïse autorisation pour écrire la loi, pour écrire la propre droite. D'après
Et Exode 31, verset 18, il dit nous c'est douette bon Dieu qui écrit loi ça. Et tout ça, bon Dieu fait avec mes lits, c'est bagaille qui ne peuvent jamais passer. Jésus-Christ dit ça tout dans Matthieu 5. Il dit tout un ciel à terre, pas passé. On trait de lettres pas sorti dans la loi, dans Matthieu 5, verset 18. Et dit. Eh bien, après de voir que les hommes disent que c'est lui-même qui dit que la loi n'est pas là encore. Après Paul pour démentir nous dans Romains 3, verset 31. Anéant nous sommes donc la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Apôtre Paul lui-même lui confirme la loi, lui dit nous, la foi pas retirer la loi, la grâce pas retirer la loi, lui confirme la loi. Les apôtres Paul a parlé de loi morale. Il y a des fois que apôtre Paul parle de loi cérémonielle, là qui vient la donne cérémonie, sacrifice, qui vient la donne circoncision, dans la loi de la CDA. Eh bien, les parle de type de loi ça, il dit nous nous pas sous pédagogue, ça encore la mort Jésus-Christ remplacé loi ça qui c'est loi cérémonielle. Mais toutefois, chers amis, les parle de loi morale là, apôtre Paul dit loi morale là, li saint, li juste et li bon. Eh bien, dans Romains 3:31, apôtre Paul dit nous la foi pas retirer la loi. Eh bien, si apôtre Paul lui-même lui dit, est-ce que apôtre Paul est en confusion avec propre tête lui? Non, apôtre Paul connaît bien ça la vie. C'est vous-même qui besoin chercher connaît de qui ça apôtre Paul a parlé, qui t'a parlé dans l'époque là, et vous-même qui direction on doit prendre avec la vie. Pas répéter parole sans encore, chers amis, à faire loi morale là, abolie. Du commandement ou pas là encore, Jésus-Christ te remplace, ou pas dans sa pièce. Je pose une question qui commandement qui est grand. Jésus-Christ répond dans Marc, pas sur le verset. Jésus-Christ répond commandement qui est grand pour le verset. Remets bon Dieu passer toute bagaille et remets prochain, même gens à tête tout. Jésus-Christ dit nous, pas de plus grand passer commandement ça. D'après Marc 12, verset 31, le verset. Et dans Marc 12, verset 30-31, Jésus-Christ répond, bagay ça, Jésus-Christ utilise yon parole qui était déjà écrit par prophète pour le bail réponse ça. Jésus-Christ va venir avec yon bagay nouveau. Pour nous venir porter ça, c'est écrit déjà, chers amis. Nous comparons Marc 12, verset 30 et 31, ensemble avec Deutéronome 6, verset 5, il dit même bon Dieu passé. Tout bagage. Et n'a comparé Marc 12, verset 31 qui dit le même prochain, même Jean Moi mette tout. Moi comparé avec Lévitique 19, verset 18. Parole que j'ai déjà écrit, chers amis. Pas jouer avec parole bon Dieu. Bon Dieu, pas même Jean Samar avec nous. Eh bien, chers amis, dans Malachie 3, verset 6, Jésus-Christ dit qu'il n'y a pas de changer, il n'y a pas même Jean avec les hommes pour changer. C'est l'homme qui change de cadre à cadre. Ça lui dit à tout c'est pour tout temps. Loi cérémonielle là pour j'étais bali, c'était pour contribuer dans le plan du salia. C'est pour les hommes qui sont capables de contribuer dans le plan salia. Plan salia pour montrer nous qui j'en trace plan salia. C'est pour bagage qui passe. Bon, bon Dieu connaît qui ça fait les vies, bon qui les a changé l'autre. C'est pas parce que bon Dieu, t'es bâillon bagage qui passe bon et il vient changer les bâillons qui pis bon. C'est pas salier. Bon Dieu. Commencer le travail là sous la terre et Jésus-Christ est venu pour montrer nous qui Jean travail là, il prend fin pour la continuer le travail là. Alors, c'est même Jean Jésus-Christ par rapport à ça. Il dit yon serviteur parti, li quitte yon vini nan men, yon met parti, li quitte vini nan men serviteur yo. Et chaque fois, li voye des serviteurs pour le garder. Travail qui vient travail. Yo tout yé serviteur yo. Li voye pour petit pi. Yo di, ba yo tout yé petit la, le sa jade arrête pour yo. C'est une illustration, je dis, qui grâce pour nous. Travail a commencé avec prophète yo. Mais comme les hommes sous la tête, toujours goumé à prophète yo, je dis, cru dans lui, je l'ai pour venir, c'est le sa li voye pour petit pi. Qui ça les hommes dit? Qui ça? Et m'y a dit, ya tout yé petit la pour jade arrête pour yo, jade ainsi le monde. Eh bien, qui ça Jésus-Christ dit? Les maîtres jardins finis, la marée tout
y a beaucoup de gens. Et bien, son illustration qui montre que ce n'est pas un bagage qui passe, non, mon Dieu, c'est pas Moïse. Ni Moïse, Jésus-Christ pas de voir Moïse, j'étais ensemble avec ça, t'as fait. Au contraire, Jésus-Christ continue le travail que Moïse t'a fait. Et Jésus-Christ confirme ça pour nous, dans le moment de transfiguration, hein, côté Moïse et Élie t'est paru. Pour montrer que, il n'y a pas de travail différent que l'autre. Il y a tout, il y a fait le travail pour Dieu, pour le faire. Il y a accompli la mission, il est arrivé, il y a le talent. Mais automatiquement, Jésus-Christ lui-même, il vient, il prend le monde là, il accomplit ce qui est annoncé. Et bien, nous-mêmes, chers amis, nous devons suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ dit nous dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, si nous l'aimons, lui, nous disons suivre, nous devons marcher, même Jean te marché. Qui Jean te marché? Jésus-Christ a observé tous les commandements. Nous-mêmes, je dis, nous cherchons excuses pour nous dire qu'il y a des pasteurs, des prédicateurs qui disent commandement, il y a trois, dit, nous pas qu'à observer. Ça, c'est excuse pour péché. Nous cherchons excuses pour nous faire péché. Ça veut dire, adultère, toi, dit, ou pas qu'à gonsel femme, ou pas qu'à mentir, ça, toi, dit, ou pas qu'à dérespecter, ou pas qu'à respecter, grand monde, ou pas qu'à dérespecter, ça, toi, dit, son loi, qui toi, dit. Tandis que, dans 1 Jean chapitre 5, bon Dieu dit nous que loi yo pas dit. 1 Jean 3 verset 7, je n'ai pas dit. Il dit commandement yo pas dit ou même ou dit le dit. Comment fait dit le dit ou démenti bon Dieu ou même ou pire bon passé bon Dieu ou te cachon ou t'as pas un barre qui pire bon laisse à corriger bon Dieu. Bon Dieu dit commandement pas dit ou même ou dit le dit. Qui ça veut dire, chers amis? Rangez bouche nous si c'est chrétien que nous est. Si nous dit nous c'est chrétien, rangez bouche nous. Pas répéter n'importe parole, pas quitter n'importe parole, sortir dans la bouche nous. Ça fait, si nous quittons n'importe parole, à sortir dans la bouche nous, nous dit, c'est, et bon Dieu, n'a suivi, laisse ça. N'a fait, travail Satan pour lui, nous fait travail pour lui. 1 Jean 3, verset 4, dit nous, n'importe monde qui péche, c'est la loi de Dieu. Qui loi la parole, c'est la loi morale là, qui montre au péché. L'élu montre au péché, il n'y a pas de il n'est pas doux pour changer, il n'est pas doux pour ranger quoi. Il est seulement doux pour péché. Mais comme Jésus-Christ mourut pour péché, il est au péché. 1 Jean 1er verset 9, il dit si vous reconnaissez le péché, il est fidèle et juste pour pardonner. Laisse ça, automatiquement au péché, mais voilà la loi dit que au péché, ou d'accord que au péché, ou reconnaît le péché, ou je viens Jésus-Christ la bonne grâce. Mais si vous ne reconnaissez pas le péché à tout, vous ne pouvez pas une grâce. N'êtes pas en bas de la grâce ou en bas de la loi parce que vous péchez contre la loi ou vous transgressez la loi ou en bas de la loi. Que le Seigneur bénisse. C'est pour quitter. C'est pour quitter.